Bonjour à tous. Eh bien, nous voici sur la route US30 à Haverton. Haverton, 646 habitants. Eh oui, le nombre d'habitants est toujours mentionné sous le nom de la ville. Voilà, on est le, je sais plus, on est le mardi 19 avril. Et toujours cette fameuse US30. Et donc le long de cette voie de chemin de fer qui est absolument énorme. Voilà, autrement tout se passe bien, tout se déroule bien. Aujourd'hui il semblerait qu'on n'ait pas de pluie, simplement 30% de chances de pluie, donc on devrait passer à travers, du moins je l'espère. C'est un peu couvert, il y avait pas mal de brouillard ce matin. Voilà, petite précision justement, là on voit un panneau Haverton Chelsea. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Donc beaucoup d'églises, bien sûr, d'églises, ce qu'on appelle les Baptist Church ou les églises méthodistes, donc aux États-Unis, en gros, pour essayer de dresser un profil de la carte religieuse des États-Unis. Voilà, faut savoir que c'est, il y a en gros 70% de chrétiens, simplement 2% de juifs et 1% de musulmans. Dans les 70% de chrétiens, ça se décompose en 40% de protestants, donc c'est le gros mouvement, 27% de catholiques, et puis les 3 autres pourcents donc, de chrétiens, ce sont le cumul des mormons, des témoins de Jéhovah, des orthodoxes. Donc en effet, les protestants sont très nombreux, donc 40%, et ils se décomposent en deux grandes tranches, donc ce qu'on appelle les Baptist Church. Donc là, c'est... En gros, ça veut dire que c'est le mouvement qui ne baptise que les adultes, hein, donc on ne baptise pas les enfants, on attend que les gens soient majeurs pour qu'ils décident eux-mêmes d'être baptisés ou pas baptisés. Donc c'est une immersion totale. Et puis les Methodist Church, sont plus orientés vers l'aide aux plus déshérités, aux gens dans le besoin. Donc voilà, mais donc c'est un mouvement très fort. Les églises ne fonctionnent pas comme chez nous avec un diocèse, tout ça. Elles sont indépendantes, donc elles sont gérées par le pasteur avec des dons. Voilà un petit peu pour le paysage religieux des États-Unis. Donc le mouvement protestant est très important. Donc bien sûr, les protestants sont arrivés ici au moment de leur persécution en Europe. Donc voilà, et puis maintenant, bien sûr, les protestants sont revenus en Europe. Voilà. Ben, après ce petit intermède, je vais reprendre ma route. Ma route 30, l'US 30, et oui, oui, oui. Bon, je vous dis à bientôt, à salut, ciao, portez-vous bien, salut, bye bye.